L'équipe de tournage des voyages dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains, commence son périple au mont Fugno. Entrer dans un village où chacun aime peindre des pivoines. Une technique qui permet de donner l'éternité aux pivoines épanouies. Vous regardez maintenant la pivoine symbole de la Chine à la découverte de la rivière Luohe de Nos Foyers Lointains, une série documentaire aux 100 épisodes. Une fois le tournage terminé dans les monts Yuntai, l'équipe de Nos Foyers Lointains voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, commence son voyage vers les monts Fugno. Le mont Fugno sont situés dans le sud-ouest de la province du Henan et s'étendent sur 400 km du nord-ouest au sud-ouest. Ils séparent le fleuve Yangtze et le fleuve Jaune. La culture des pivoines a plus de 1000 ans d'histoire dans la région. Elles sont intimement liées à la vie des habitants. Ici, quand on emprunte un des nombreux ponts qui enjambent les cours d'eau de la ville et quand on goûte une spécialité locale, on s'aperçoit que tout est lié à la culture des pivoines. Le festival des pivoines attire tous les ans des dizaines de millions de visiteurs venus admirer leur beauté. Bien que ce ne soit pas la saison des pivoines, les traces de leur culture sont visibles partout. Et même les rochers sont recouverts de motifs de pivoine. Notre équipe de tournage suit la rivière à contre-courant et arrive près d'une petite montagne dans la partie est des monts Fugno pour en apprendre plus sur ces mystérieuses roches pivoines. Zhang Dongsen est responsable de la carrière de roches pivoines. Il explique à notre journaliste que les motifs sur les roches pivoines sont très réalistes. Lorsque les roches pivoines sont arrivées sur le marché pour la première fois, beaucoup de gens pensaient qu'elles avaient été gravées à la main et ils n'osaient pas en acheter. L'espace devant nous est rempli d'énormes rochers et sur chacun de ces rochers, on peut voir des motifs de fleurs. Pour nous permettre de les voir encore plus clairement, M. Zhang les asperge d'eau. Les roches pivoines se sont formées il y a 1,5 milliard d'années du fait de mouvements de la croûte terrestre. À l'époque, des roches magmatiques grises ont fusionné avec des cristaux de couleur blanche et un processus d'extrusion étiré sur des centaines de millions d'années a fini par créer ces motifs particuliers. Les pierres pivoines sont formées d'une matrice rocheuse et de phénocristal. Ce
圆球体，对，圆球体，它是立体的，对，立体的一个球体。Peu importe que les pierres pivoines soient brisées de manière naturelle ou taillées artificiellement, le plagioclaste forme toujours des motifs de fleurs relativement complets. C'est grâce à ces particularités et ces motifs que la roche pivoine a tellement fait sensation. Les roches pivoines sont exploitées à l'air libre et le travail commence généralement au printemps. En cette saison, il ne pleut pas beaucoup et le travail est moins dangereux. Pour extraire de la roche pivoine, il faut d'abord trouver une veine, c'est-à-dire de la roche exposée à l'air libre. Une fois que l'endroit est repéré, on commence d'abord à creuser à la main. La dureté de la matrice rocheuse noire est autour de 6 sur l'échelle de Mohs, ce qui équivaut à du granit, alors que celle du phénocristal blanc est de 7, comme le jade. Après cela, la roche pivoine a été reconnue dans le monde entier comme une roche très particulière. Et les géologues la considèrent comme un phénomène rare et précieux. John Johnson explique aussi à notre reporter que la roche pivoine n'est pas une ressource renouvelable. Au pied du mont Wanan, une veine de roche pivoine a été découverte, longue de seulement 2 km du nord au sud et large de 14 mètres. Nous suivons Zhang Zhongsen jusqu'au village de Wulong au pied de la montagne Wanan. En entrant dans le village, on peut entendre les bruits des machines qui se répondent. La rue est pleine de magasins. Ils n'ont pas d'enseigne, mais ils n'en ont pas besoin. Ce sont les roches pivoines placées à l'entrée qui leur servent de publicité. Zhang Zhongsen s'apprête à emmener notre journaliste dans le premier magasin du village qui a vendu des pierres pivoines. Ces deux hommes d'affaires sont venus de Pingdingshan. Ils n'ont visité qu'un magasin, mais ils ont déjà décidé d'acheter sans hésitation. 刚才那两人买的是这家的石头是吗？对，是这家。哦，他们家门口有好多石头摆在这儿啊。啊，这都是幕后的。嗯，我家里都有小车了。看来这个生活条件改善的不错。啊，对。Le propriétaire s'appelle Gao Chunxi. Cela fait plus de 20 ans qu'il est dans le commerce des roches pivoines. Quand nous arrivons, il est chez lui. 您这是在做什么？这个在牡丹室在抛光。哦，在抛光。啊，刚才我们在路上看到有两个人说那个买石头，是向您买的石头吗？对对对。哦，他们说又拿了红的这个牡丹石。对，红牡丹石在那牡丹室这个夹层里面很稀有的一种。嗯，那这个价
Gao Changzi expose dans sa cour beaucoup de roches pivoines polies. Les rouges attirent énormément l'attention. Les roches pivoines rouges sont très rares. Les quelques pièces que possède Gao sont toutes réservées. Gao Changzi raconte à notre journaliste que cela fait bien longtemps que les gens apprécient les roches à Luoyang. C'est ici qu'est née la culture chinoise des belles pierres. En 2014, elle a été choisie première ville pour l'appréciation des roches en Chine. Dans ce genre d'environnement, le commerce des roches pivoines se porte très bien. Gao Changzi nous dit qu'avant, les habitants du village de Wulong gagnaient leur vie comme fermiers. Mais il n'y a pas beaucoup de terrain à la montagne. Et sa famille, avec 5 personnes, devait se contenter d'une demi-acre. En faisant pousser du maïs et du blé, même en un an, il ne gagnait pas grand-chose. Depuis que le commerce de roches de pivoine a commencé, tous les habitants du village se sont fait construire une nouvelle maison. En quittant la maison de Gao, Zhang nous emmène dans une assez grande usine de traitement où plusieurs ouvriers sont en train de tailler des roches. Su Wenzhu vient de Nanyang, où il a longtemps travaillé à tailler le jade. Cela fait 10 ans qu'il est arrivé au village de Wulong pour tailler des pierres pivoines. L'art du dessin des pivoines dans une cour de ferme. Nous goûtons une spécialité à la pivoine. La pivoine, symbole de la Chine, à la découverte de la rivière Luohe, un épisode de voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine. Mais nous avons aussi pu voir les paysages, les forêts, les montagnes, les rivières, les gens, 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 les gens
我想，我们可能是行走在美丽中国上一群最幸福的年轻人。爱美丽中国，看远方的家。L'équipe de Nos Foyers Lointains voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, quitte le village de Hulong et poursuit sa route au sein des monts Fugno. Nous continuons notre chemin vers le sud-ouest à contre-courant de la rivière Luohe pour arriver au village de Pingle, sur la rive nord de la rivière Luohe. On a surnommé cet endroit le premier village de Chine pour les pivoines. Plus de la moitié des habitants sont capables de peindre des pivoines sous toutes leurs formes. Bonjour. 你好，你好，你好。今天还画画呢？啊，天天画。天天画，来进来看一下，这是王阿姨的屋子。Les murs de la maison de Wang Haitang sont couverts de peinture. Ce sont toutes les peintures qu'elle a réalisées l'année dernière. Les pivoines sur les canevas rivalisent de beauté. 王阿姨，我看您画的画啊，都是以这个暖色调啊，喜欢画这个洛阳红、照粉，对，而且都是盛开的花。花苞到半开，再到盛开，盛开一花到盛开，心情就开发了。Wang Haitang est une authentique paysanne. Elle n'était jamais entrée en contact avec la peinture. En 2007, elle a participé à une classe de peinture organisée dans le village. C'était la première fois qu'elle tenait un pinceau. Et aujourd'hui, elle peut vendre un de ses tableaux de pivoine pour plus de 200 yuans. 就天天没什么事儿，就画画。对，爱好。那现在没啥农活可干了。啊，地都包裹啥？以前那个锄头有这么大，现在画笔这么细，习惯吗？这个？习惯。这画这学了这几年，画了都习惯。阿姨一拿这个画笔，那个手势啊，非常专业啊，果然是学了七八年啊。这就跟写毛笔字一样。Wang commence à peindre. Une fois qu'elle a saisi son pinceau, toute son attention se porte sur son travail. Que ce soit le mélange des couleurs ou les mouvements du pinceau, on peut sentir qu'elle sait ce qu'elle fait. La table que Wang utilise pour peindre a été assemblée avec de vieux meubles familiaux. À côté de la table, on peut voir toutes sortes de magazines d'art et de peinture auxquels elle est abonnée. Wang Haitang nous raconte qu'elle n'aurait jamais pensé qu'à son âge, elle pourrait avoir une opportunité comme celle-là, de réaliser son rêve d'enfant. Pour améliorer son dessin, chaque année pendant la saison des pivoines, elle va presque tous les jours les observer dans le parc. Wang Haitang a étudié dans la même classe que sa belle-fille. Elles sont parmi les premières à avoir ouvert des galeries. Les peintures que Wang Haitang a fini de peindre sont directement vendues dans son magasin. 这是村里印的书啊？村里印书，俺们去牡丹一个学校给俺发。那这些都是村民们画的牡丹画吗？对对。La classe de peinture du village de Pingle a été créée en 2007. Plus de 800 amateurs de peinture, comme Wang, sont déjà passés par cette classe. Et il y a maintenant plus de 200 galeries spécialisées dans les peintures de pivoine. Certains habitants du village, dont le niveau est très élevé, ont des revenus annuels qui peuvent atteindre 200 000 yuans. Dans le village tout entier, les bénéfices des ventes de ces peintures atteignent 50 millions de yuans par an. 这个很多学生我们是一个小组
说是学生，但是学生里可是有这个白发苍苍的老人家。欢迎大哥，师兄欢迎。哎呦，奶奶您好，您好，您多大年纪啊？我七十，七十了啊。郭老师，七十是不是比您年纪大呀？比我年纪大。大多少岁？比我大十岁。比您大十岁。嗯，这大十岁的学生不好教啊。老学生。老学生。您学了多久了，奶奶？我学了一年。一年了啊！On considère généralement qu'il faut étudier au moins 4 ou 5 ans pour maîtriser les techniques de base de la peinture chinoise. Mais dans le village de Pingle, ces paysans qui n'ont jamais été en contact avec la peinture parviennent à peindre des pivoines parfaitement réalistes. 一下子熟练了很多。那您这个是为啥要学这个牡丹画啊？画牡丹比干扁呐，觉着对身体还好。你能修身养性，锻炼大脑，活到老学到老，哎，嗯，活到老学到老，嗯，我认为我都不老，我认为我都是二三十岁。我们看也是。En discutant avec eux, nous apprenons que dès les dynasties Ming et Qing, les peintres de pivoine venant des campagnes étaient déjà en constante augmentation dans le village de Pingle. Ceci contribua à forger la réputation du village, qui est encore intacte aujourd'hui. Dans les années 80, le village a accueilli en son sein un centre de calligraphie. Guo Xiaowei a commencé l'apprentissage de la peinture traditionnelle chinoise quand il avait autour de 10 ans. Il a passé le reste de sa vie à tenir la galerie d'art. En 2007, il décida de créer une classe de peinture de pivoine. En plus des peintures de pivoine que font les fermiers, le village de Pingle comporte une autre activité artistique liée à la culture des pivoines. Une soupe qui porte le nom de nid d'oiseau des pivoines. Cette soupe est le premier plat à être servi lors des festins de soupe de Luoyang. 听说您刚忙完啊？啊，刚出去走桌回来。啊，这两天办水席的人多吗？多。Monsieur Zhao confie à notre reporter que le village possède sa propre équipe de cuisiniers pour la préparation des festins de soupe de Pingle. Cette équipe compte plus de 100 personnes. 这些原料都已经准备好了。啊，对。啊，这是白萝卜。白萝卜。嗯，蘑菇。这是蘑菇，这是木耳。木耳。葱姜蒜。葱姜蒜。啊，这个牡丹宴菜用到的这个原料不是很多。那它怎么做呢？这道菜？先洗了以后切。先把这个切了。哎，把这切的越薄越好。越薄越好。越薄，切了真能切的细。Zhao Maolin explique à notre reporter que le principal ingrédient du nid d'oiseau des pivoines est le radis blanc, car c'était l'aliment de l'impératrice Hu Zetian de la dynastie des Tang. On raconte que pendant le règne de Hu Zetian, un immense radis blanc poussa dans un petit pot près de la porte est de Luoyang. Il mesurait 1 mètre de long et pesait plus de 15 kilos. Sa partie supérieure était verte et sa partie inférieure était blanche. On le considérait alors comme un signe de bon augure et le radis géant fut offert à l'impératrice Hu Zetian. Les cuisiniers impériaux préparèrent le radis avec toutes sortes de mets fins et en firent une soupe impériale délicieuse et parfumée. Oh. 因为造型好看，好吃，
如果这亲戚朋友这是开桌之前一敬酒，大家热闹吧，吉祥如意都开始了。哦，只有他上桌之后才可以开始敬酒。对。哦，这个地位还挺高的。Quand on prépare le nid d'oiseau des pivoines, la préparation du radis est la partie la plus compliquée. Les lamelles de radis doivent baigner dans de l'eau propre pendant un certain temps pour enlever les saveurs astringentes. Ensuite, on laisse sécher les radis dans une grande panière sur laquelle on peut saupoudrer des fécules. Pour finir, on fait cuire les lamelles de radis à la vapeur pendant environ 20 minutes. D'habitude, on sert le nid d'oiseau des pivoines avec des fruits de mer. 开始吧。这家是什么粉？家里有红薯粉，我们当地吃的红薯粉。红薯粉啊？为什么要在蒸完的这个萝卜丝里面加红薯粉呢？它吃着筋道又滑润。哦，滑润筋道。Premier plat est servi. Le nid d'oiseau des pivoines a une place de choix lors du festin des soupes. La soupe préparée par Monsieur Jia a un bouillon d'os cuit à la vapeur qui va apporter plus de consistance au plat final. Ce dernier nous explique que la soupe est un mélange de lamelles de radis, de vinaigre et de poivre. Monsieur Jia nous explique qu'en 1973, le Premier ministre Zhou Enlai a convié le Premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau à un repas pour goûter ce plat. À la vue des pivoines qui ornementaient les plats, Zhou Enlai déclara que les pivoines de Luoyang étaient les plus belles du monde et qu'elles poussaient même dans les plats de Luoyang. À partir de ce jour, la soupe du nid d'oiseau est devenue le nid d'oiseau des pivoines, bien que le nid d'oiseau des pivoines n'utilise pas de pivoine comme ingrédient. Monsieur Jia nous explique que le thé de pivoine et les friandises à base de pivoine sont les aliments préférés des habitants de Luoyang, quand ils reçoivent des invités ou quand ils offrent des cadeaux. Ce sont des produits typiques de la région. Monsieur Zhao explique à notre reporter que le festin des soupes du village de Pingle existe depuis 7 à 8 générations. Cela fait plus de 30 ans qu'il prépare ce type de festin. Monsieur Zhao passe la plupart de son temps à préparer des festins de soupe dans divers endroits. Il ne s'était jamais attendu à montrer sa recette de nid d'oiseau, des pivoines chez lui. Il espère que sa recette pourra trouver un public toujours plus large. Émaillage des pivoines en porcelaine. Des œuvres plus vraies que nature. Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains, la pivoine symbole de la Chine à la découverte de la rivière Luohe. Je suis très heureux. Beaucoup de gens ont été pour mon sourire. Dans le Zhejiang, j'ai pêché des珍珠, j'ai pêché des chèvres. 在湖北，我扯过麻糖，踩过高跷，我喝过70多度的高粱烧。
也尝过放了53年的臭猪肉。形容的。我喜欢和孩子们一起无忧无虑的玩耍，也愿意走进每一户我经过的人家，去听听他们生活的故事。走过越来越多的地方，遇见的人也各不相同，越发觉得年轻的脚步没有停下的理由。我愿意带着笑容和你一起前行，爱美丽中国，看远方的家。Notre équipe de tournage quitte le village de Pingle et continue son périple dans les montagnes Fugno. Notre voiture longe la rivière Luohe en direction du sud-ouest. Nous arrivons au village de Zhang, près de la ville d'Anle, dans la périphérie de Luoyang. Le but de ce voyage est de trouver un type de porcelaine produit localement et unique en son genre, la pivoine en porcelaine. 牡丹花期虽然说已经过了，但没有想到在您这儿看到了盛放的牡丹啊，用雍容华贵、花中之王来形容它一点都不为过。我能不能碰一下，可以吗？对，陶瓷手工捏出来。很薄。对。很硬。它这个，而且轻轻碰啊，它这个质地也很硬啊。是它因为经过土，经过高温以后，都非常的脆，但是说是硬度特别高。里边的这个花蕊、花心包括叶子，都是用瓷器做，手工捏，都是手工做出来。Li Xuewu explique à notre reporter que la pivoine de Luoyang comporte 9 couleurs majeures, 10 sortes de motifs et plus de 1000 variétés. La porcelaine de pivoine peut adopter ces différents motifs. Oh, 这是高岭土。高岭土。我能摸一下吗？这什么质地？这个平常和我们烧的那些瓷器啊，是同一种泥土吗？基本一样，就是我们可能再添加一些，让它更容易，就是可塑性强，比较粘黏的那些东西，让它更加氧化了，很充分的东西。我感觉这个土比较的细，而且很硬，这样的话，我相信它在塑形的时候，它很好固定。对对对。Li nous explique que comparé aux autres types de porcelaine, la particularité de la porcelaine de pivoine est qu'elle donne l'impression d'être en relief. Ses pétales aussi fins que du papier, ses veines qui ressortent et ses couleurs sont en tout point semblables aux véritables pivoines. Un tel résultat implique un certain degré de difficulté. 花瓣少了有50多瓣，花瓣多了有70-80瓣。哇，我觉得。光做这个就已经很像了，这个一页一页的这样的花瓣是怎么做出来的？就是拿这个竹签在那个布上拉出来的。您给我们演示一下行吗？做一下。我很好奇啊。Pour fabriquer des pétales de pivoine, il faut d'abord fabriquer un premier modèle avec l'argile de porcelaine. Puis on utilise une tige de bambou pour étaler légèrement la surface. Le centre et les bouts sont les parties les plus solides.你看我们这个姑娘多心细呀，这个心灵手巧，她把中间这个牡丹应该是有叶茎啊，这些花瓣的这些纹路都表现出来了，然后最后呢，应该说是非常信手拈来的这么一推一拉，就形成了这种非常薄、非常逼真的花瓣了。那你这么多花瓣，你在给它塑形的时候，你是当中心中已经有草稿了吗？每一个花瓣在最后这个牡丹花里面是什么位置，怎么放？因为还是说随意的？它都是有结合的，像洛阳红的花瓣比较碎，照本花瓣比较大，然后位置呢它就比较皱一点，所以说做之前我们都是你要做什么花型，基本上心中都有大概的形状。Pour que l'œuvre d'art soit aussi fidèle que possible aux fleurs originales, sans compter les règles particulières à respecter pour la plupart des pétales, les feuilles et les étamines doivent être réalisées avec le plus grand soin. Les artisans se servent de feuilles fraîchement cueillies comme modèle. Les nervures des feuilles et leurs formes sont imprimées sur l'argile, qui est ensuite moulée selon plusieurs motifs. Les étamines sont moulées à partir de kaolin.像您整个牡丹瓷的过程当中，它比较关键的一个部分是这个打形啊，还是说您最后说的这个高温上釉烧？它应该是形是第一了，然后最重要环节就是我刚才说的，陶瓷泥经火变成黄金嘛。实际最重要还是火。
那您带我去您说的最关键的部分去看一看，好不好？Des produits en cours de finition sont posés sur la table. Ces derniers ont déjà été cuits une première fois. Toutes les pivoines en porcelaine sont faites en relief. C'est pour cette raison qu'elles doivent être très fines et transparentes. La première cuisson est indispensable car elle permet d'augmenter la résistance des porcelaines. La finesse, la transparence et les nombreux dégradés qui caractérisent les pivoines en porcelaine en font des objets extrêmement raffinés. Entre 6 et 8 cuissons sont nécessaires pour obtenir une couleur semblable à celle de la fleur originale. On compte 7 à 8 jours entre le début du moulage et la finition de la porcelaine. Maintenant, Li Xuehu emmène notre reporter à l'atelier de coloriage. L'atelier regorge de couleurs diverses et variées. Le prix actuel des pivoines en porcelaine sur le marché est relativement élevé. Une telle œuvre d'art coûte, selon les régions, environ 40 000 yuan par mètre carré. Li s'occupe des innovations à apporter aux pivoines en porcelaine. Il enseigne aujourd'hui son métier à plusieurs élèves. Il lui arrive par ailleurs de fabriquer lui-même des pièces de porcelaine. Li Xuehu pense que les pivoines en porcelaine sont apparues dans la région de Heluo et qu'elles baignent dans un contexte historique lointain depuis l'ère des Sui et l'ère des Tang. Li Xuehu a eu au départ une formation de commerçant qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Quand il a eu l'idée des pivoines en porcelaine, il a cessé ses activités professionnelles et a investi toutes ses économies, son temps et son énergie dans l'apprentissage des techniques de porcelaine auprès de grands maîtres artisans. Il tira d'abord son inspiration du travail du jade et des céramiques en émail tricolore de la dynastie des Tang. Puis il adopta d'anciennes techniques de fabrication. Nous avons
外地的游客，包括我们的亲戚朋友，到了以后都能看到永世开放的牡丹花。嗯，您就强调一个永恒。永恒。嗯。Comme le dit le poète, si on ne devait retenir qu'un seul trésor national, ce serait la pivoine, car elle magnifie notre capitale quand elle fleurit. L'attachement des habitants de Luoyang pour la pivoine ne saurait varier selon les saisons ou la forme de la fleur. C'est une fleur qui pousse et s'épanouit dans tous les cœurs des habitants. 虽然我们错过了牡丹花盛放的时候，但是我们却看到了它的各种形态。大自然把它嵌进了石头里，有人把它画进了画里，也有人把它的姿态凝固在了艺术品当中。你不得不承认洛阳人对于牡丹花的喜爱，也不得不佩服人们的创造力和想象力。这样的牡丹花有形有色有情有味。我叫李学武，河南洛阳人。我的心愿是今后将不断地走出去学习，不断地提高牡丹瓷的品质，让世界了解牡丹瓷。远方的家两年多的行程成了我认识自己的一个过程。没有想到在寒冷的青藏高原，面对素不相识的战士们，我会伸手去摸他们洗脚水的温度。没有想到，在世界屋脊的屋脊，我成为了第一个登上阿里丁嘎哨所的女孩子。也没有想到，我能够战胜恐惧，成功的完成华山长空栈道的拍摄。迈出的每一步，对于我来说是收获，也是发现。收获的是一份经历，发现的是我看到了在这种历练背后勇气和坚持的宝贵。我是蔡丽娜。爱美丽中国，看远方的家。